immense vaisseau, incarnant l'ingéniosité, le courage et la foi de chaque nation. Nous sommes partis chercher un nouveau foyer dans les étoiles. Bonjour à tous les amis, ici Yanamu du Bonheur. Oula, un peu mélangé le truc, donc je reprends, c'est Yanamu du Bonheur, merci. En direct de Civilization Beyond Earth pour le 6e épisode de la série. Toujours en compagnie de Learn to Play. Bonsoir. Toujours avec lui, voilà. Et je te laisse la parole, Wissak. Eh bien, Yanamu, je suis très très heureux d'être en compagnie de ta personne magnifique. Oh, merci. Oui, je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça, mais c'est absolument moche, mais c'est pas grave. Ce soir, pour du Civilization Beyond Earth, nous sommes heureux de jouer. Carrément. Tout est bien qui finit bien. Non, mais je dis de la merde. Ouais. Concrètement, demain, c'est jour férié, donc on se met bien. Voilà. Ouais, on se met bien. Alors, on se met bien, on se met au propre et tout. On nickel. Se met carrément bien. Ouais. Et du coup, je passe le tour tellement on est bien là. Ouais. 58 secondes, passé le tour, record battu à nouveau. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien, mais. Et Yanamu vient de me dire que cette putain de balise de merde met 5 tours avant de repousser les miasmes. Je sais même pas si mes ouvriers vont réussir à survivre. J'espère. Bon, je vais les soigner entre temps. Donc, vous voyez ici les gens là, il va y avoir une ville, mais directe. Ici là, je vais faire une ville directe. Voilà. Un kraken. Ah. Cassez-vous. T'inquiète pas. C'est pas méchant un kraken. Non. Tu lui fais des guili-guili et voilà. C'est tout mignon le kraken. Alors en attente d'ordre, toi tu vas rester là. Hein. Temps de se débarrasser de la menace extraterrestre, moi je dis. Ah ouais, mais moi aussi. Hein. Plan de guerre activé. Les gars, donc vous avez vu, hein, j'ai volé plein de trucs. Donc ici, ils n'y arrivent pas, ici, clairement, ils n'y arrivent pas. Il y a un anti-espionnage ou quoi? Non, il n'y a pas d'agent contre espionnage pour l'instant, là, ici, là. Pourquoi ils n'y arrivent pas, quoi? Je comprends pas pourquoi ils n'y arrivent pas. Ah, je pense que je vais faire un ouvrier au prochain tour. Il m'en faudra un autre. Ah. Il faudrait que j'arrive à faire ça, en fait, pour pouvoir le continuer à le faire progresser, lui. Lui, clairement, il faudrait maintenant que je passe à ça, hein, puis à ça. Et un convoi commercial également. Je vais faire un convoi commercial d'abord. Ah ouais. Mais on va quand même essayer de faire ça d'abord. Vous voyez, on va essayer de faire ça là, ça ici. Et à lui, on va être gentil à lui. Vous voyez, lui, on va faire que ça maintenant, parce que ça suffit. Hein. C'est passe pas le tour. À l'air de tout plaît qu'on en veut. Moi, je dis. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Alors, il y a quoi ici? Le Yanamu est trop gentil. Prairie, colline. Il veut pas me faire une ferme déjà. On va faire un générateur de Nakoda. Oh, et après, faut qu'on s'occupe des vers de siège. Il faut que j'en tue au moins un. Donc, ce qu'on va faire, une mine. Déjà, une mine, on va miner. Est-ce que missile nomade, chasseur tactique? Missile nomade, c'est plus rentable. Le missile est à usage unique. Ah non. Oh ouais, oui, bah oui, bien sûr. Oh, c'est pété ça aussi. J'imagine. Donc les gens Omuchik, hein, voilà, il nous faut de la, santé, Omuchik, ah là là, il me tue toujours avec ses noms de ville. Quoi? Tu sais ce qu'ils te font, les noms de ville? Le Mouchik. Énergie plus 3, les gens, on a un déficit d'énergie, donc. 13 tours quand même. Ouais, laboratoire bouffe. Oh, allez. Périmètre de défense. 10 tours, c'est bon ça, périmètre de défense. Putain, ils résistent les ouvriers, mais ils vont pas tenir longtemps si ces miasmes de réacteur merde se cassent pas. Plus 5, voilà, un réacteur atonium, ça va très bien. Putain, c'est encore monté ça? Oh là là. Ça veut rien dire. On va repartir par là-bas, les gens, histoire d'explorer un petit peu davantage. Oh merde. Ok. Je suis face au Kraken. Là, je suis mort. Là, je crois que j'ai fait une boulette. Hein? Du coup, les marines, on va les fortifier ici parce que voilà. Parce que, hop, tu vas là. Opération secrète a été décelée. Intéressant. Et je sais pas si t'as remarqué, mais quand tu construis les avant-postes, ça te fait plus de malheur maintenant. Non, ça t'en fait, mais après. Ah merde. Ah merde. Je suis dans la merde. Et moi, j'ai toujours un de malus là, santé fragile. Ah putain.
Oh là 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 là. Et ces miasmes de merde, j'espère que ça va se casser parce que là, concrètement, je suis un peu dans le caca moelleux. On va essayer de le. Oh, c'est quoi ça? Oh putain! C'est quoi ça? Oh putain! Dragon des mers extraterrestre. Oh, joli! Puissance 14, ma puissance 14. Bon, je peux lutter. Enfin, joli. Et je vais peut-être me faire un autre convoi commercial, les amis. Le canonnier. Ah non, j'avais dit que je ferais quoi? Ouais, encore un convoi commercial. Je pense que ça devrait le faire. Il y a de miasme ici. Non, il n'y a pas de miasme ici. On a enlevé le miasme. Et ces miasmes de merde, et c'est quand que on ça se tire? On fait une avancée ici. On va faire une avancée ici aussi. Peut-être non, on va peut-être pas avancer ici. Hop, à fortifier. Ah, ouais. Comment je fais? J'arrive pas à sélectionner le. Ah si, c'est la table, pardon. Voilà, tour suivant du bonheur. Ah oui, ça commence par le centre. D'accord. Ça y est, il a compris. D'accord. Donc là, ça a marché, mais là, ça n'a pas trop marché. En même temps, si ça se met à marcher, t'as intérêt de courir derrière pour les rattraper, hein. Pardon. Il meurt du soir, bonsoir. Bonsoir. Ah oui, mais là, complètement, hein. Et la conspiration, hein, d'accord. Et une quête. Fonder une ville adjacente à une case d'Aeroche. Une nouvelle forme de vie s'est développée parmi les travailleurs des carrières d'Aeroche. Les ouvriers ont créé un lien presque spirituel avec la substance. Certains l'utilisent même comme matériau de construction, créant ainsi de petites communautés de maisons flottantes près de leur lieu de travail. Cette nouvelle approche pourrait être très profitable à plus grande échelle. Ouais, pas mal. Fonder une ville adjacente à une case d'Aeroche. Ouais. Alors, dans ce cas-là, c'est soit... Ah non, pardon. Aeroche. Ah oui, Aeroche. Bon, ça soit là, éventuellement. À voir. Je passe le tour aussi. Ah, merde. Je vais être dans la salubrité. T'inquiète, moi, je suis toujours à 2-3. Ouah. Ok. Ah, mais pas succès déverrouillé. Brevet en cours d'homologation. Les gars, j'ai 4 dragons des mers. Il m'a mis 85. Pouah, mon bateau. Mon bateau, il a pété, mon bateau. Adieu, bateau. Oh merde, le Kraken, là. Une unité a été éliminée. Votre navire armé a été détruit par un dragon des mers extraterrestre. Promotion d'un agent secret. Ah, pas mal. Ça y est, tu l'as découverte aussi. Oula, mais... technologie à ne pas découvrir. Ça fait très longtemps, mon ami. Mon dragon a été détruit. Voilà, réassigné. Ah, je peux pas. Oh, les extraterrestres n'attaquent pas les cases occupées par les explorateurs. Yes, I. Les freedom. Freedom. Non mais attaque pas, crétin. Non, pas réussi à voler des... Oh merde, j'ai... Oh tué, fuck. Mais qu'est-ce qu'il est con, ce... Mon explorateur a attaqué un extraterrestre, c'est direct. C'est... Votre explorateur a trouvé la mort en attaquant un loup scarabée. Il l'a fait tout seul sans moi, tu sais. J'ai réussi à voler une technologie, c'est bon ça. Ah merde. Intelligence. Bon, bah, escape, artificielle. C'est quoi intelligence? J'aimerais aller explorer par là-bas, s'il vous plaît. Merci. C'est quoi intelligence artificielle? Vous avez découvert la cartographie génétique. C'est ça? 4 emplacements de spécialistes. PV de la ville. Ouais, c'est de la merde quasiment, quoi. Bon, donc, déjà, on peut voir qu'au niveau des premières technologies, je les ai toutes faites. Maintenant, il n'y a que des technologies plutôt longues à faire. Hein. 16 tours, 24 tours, il n'y a pas plus court, quoi. Bon. Lui, il me conseille d'aller là-dessus. Je pense que je vais suivre son avis, hein, le conseiller économique. J'aimerais bien savoir... J'ai bientôt découvert la biologie, les amis. Oh. Ah si, c'est... Ah ouais, laisse tomber. 24 tours, je suis pas sûr que ce soit... Il veut que je fasse la biologie, le monsieur, là. Pourquoi il veut que je fasse la biologie? Ah, mais moi, je suis en train de la faire. Allez, je suis en train de la faire, la biologie. Attaquons Mec, il attaque la biologie, quoi. Il est comme ça. Ouais, je l'attaque la biologie, moi. Il attaque la biologie. Bon, bah, du coup, mon bateau s'est fait casser la gueule, mais monumentalement, hein, voilà, hein, là, c'est le cas de le dire, il n'y a pas de... Ah merde, ça veut dire qu'il va niquer la barge de travail aussi. Oui. Oh putain, le kraken de merde. Non, attends. Vas-y, non, casse-toi. C'est pas des kraken que j'ai eu, hein, c'est des. Vas-y, casse-toi. Ah yes, le kraken, il fait toujours le même chemin, ce con. Vous avez découvert la biologie. Oh, je peux développer une valeur, les gens. Il était temps, hein. Décision de quête sur Amen. Notre batterie de missiles est terminée, mais n'est pas encore prête à tirer. Il semble que nous ayons surestimé la quantité de gel d'allumage nécessaire pour lancer un missile.
C'est probablement une première, mais nos techniciens balistiques ont annoncé que les missiles sont trop explosifs et que le moindre tir mettrait la ville en danger. Cependant, le gel peut être utilisé comme charge libre ou ajouté au système de propulsion, éliminant ainsi le risque et améliorant l'efficacité des missiles. Alors, puissance de la ville plus 5%, portée de frappe orbitale de la ville plus 1. Oh yeah! Donc, on va utiliser le gel d'allumage dans le système de propulsion, les gens, pour avoir plus de... Voilà, hein, vous m'avez compris. Pour avoir plus de... Voilà, hein, c'est bon. Tuer, nos scientifiques ont constaté énormément d'efforts... énormément d'efforts à l'étude des formes de vie indigènes de cette planète. Ils en sont venus à la conclusion que les extraterrestres naissaient systématiquement avec le souvenir de l'emplacement de leur nid. Si tel est bien le cas, nous pourrions dresser une carte de tous les nids de la planète simplement en observant la composition chimique et biologique du cerveau extraterrestre. Tuer 3 unités extraterrestres. Mais pas de soucis, moi je demande que ça. Alors, sinon, genre d'ingénieur... La valeur, les gens. Nous allons partir là-dessus. Domination de l'esprit sur la matière. Santé plus 7. Oh, je vais partir sur conception génétique. T'as plus 7 de santé ? Voilà, je suis à plus 5 de santé. Ah, 5 ? Oh, yeah, man. T'as fait quoi, une valeur, c'est ça ? Ouais, c'est une valeur, ouais, une valeur pétée encore. Ça s'appelle domination de l'esprit sur la matière. C'est niveau 2 dans la prospérité. Ah oui, d'accord. Ah oui, t'en es loin, toi. Ah oui, moi, je suis loin, moi. Moi, j'ai fait un peu tout, là. Donc les gens, il faut éliminer les extraterrestres, sauf que là, il y a du miasme partout, sans déconner. J'aimerais bien pouvoir explorer davantage, mais si je vais là, je vais me faire déchirer la gueule par le miasme. Si je vais là, je vais me faire déchirer la gueule par le miasme. En bref, que j'aille n'importe où, je me fais déchirer la gueule par le miasme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste après donc un nouveau repousseur de miasme. Et ici, il faut absolument aller fondre une ville. Ici, prochaine étape, colon, hop, avec 2 unités armées, histoire de bien la défendre, on va fonder une ville ici direct. Hein. C'est du direct live, là, les gens. C'est du direct live. Donc toi, tu vas te fortifier sur tes fruits, mon pote. Tu gardes les fruits du bonheur, voilà. Et tour suivant. Alors, attends. J'avais dit que j'allais faire... Je vais faire un ouvrier. Et lui, il peut pas bosser, lui. Putain, ton repousseur de miasme, c'est de la bouse. Ah ben, c'est ce que c'est, hein. Wow. Ah, c'est bon, ça a enfin repoussé. Vous avez vu, les gars, le truc à titane, là, il progresse. Et du coup, en fait, faut faire quoi ? Faut relancer encore ? Relancer quoi ? Le truc de miasme. Ah non, il est détruit au bout de 5 tours. Ah, d'accord. Ouais, c'est de la merde. Alors, le directeur de votre nouveau laboratoire nous a fait une proposition intéressante. À l'heure actuelle, les domaines scientifiques que nous étudions sont variés. Cette approche a ses avantages, mais implique de construire plus de laboratoires dans notre ville. Il pense cependant que nous pouvons accélérer nos progrès scientifiques en concentrant nos recherches sur la xénoéconomie. Une fois que nous aurons compris la biologie locale, nous devrions être capables de les exploiter pour faire progresser nos recherches. Intéressant. Maintenir un champ de recherche varié m'octroie plus 1 en sciences. J'ai 42 de sciences à l'heure actuelle. Concentrer 64. Les recherches... Oh, 64 ? What ? Oh, 64 ? Ouais. Il est vraiment temps que je te conquérisse à toi. Hein. Et si je fais ça, les explorateurs gagnent un module d'expédition supplémentaire. Les explorateurs, actuellement, j'en ai plus un seul. Hein. Là, moi, je dis, c'est du non-respect total. Je vais maintenir un champ de recherche varié, les gens, pour avoir plus de laboratoires. Hein. Parce que les modules d'expédition, sérieusement, j'en ai un peu rien à foutre. Concrètement, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, vous savez quoi, j'ai tellement pas de respect que l'explorateur, je vais l'acheter. Oh! Ah oui, moi aussi, il faut que j'en achète un, putain. Ah, je peux pas, putain, c'est impossible. Parce que j'ai une colonie abandonnée, j'ai des trucs... J'ai une unité ici qui est postée, donc on va la déposter pour pouvoir acheter le bordel. On va la déposter, le mec. On va la déposter. Tu gagnes combien d'énergie par tour ? 128. 128 ? Non, 2. Putain, mais quel con ! Moi, j'y crois comme un gros chaque con, fois, il me croit, hein. Chaque fois, il me croit. Non, mais tu dis ça tellement sérieusement que bon. Hein. T'as un doute, hein. Le doute est permis, j'avoue. Voilà. Allez, donc, passe le tour. Je peux passer le tour. Et je passe le tour. Donc, ici, une ville, là-bas, une ville, hop, hein, sur de la neige, carrément. Cette carte est juste magnifique. Hein. Wouah, il y a plein de trucs. Alors. Alors, l'explorateur du bonheur, ce coup-ci, va se faire accompagner par un soldat, l'air de rien, parce que voilà, histoire de bien explorer la zone avant. Hein, le rover de combat de l'arc, moi je dis, il n'y a pas de respect. Je gagne plus d'énergie. Mais je peux passer les tours très vite maintenant, parce que du coup, production. Là, j'ai posté mes unités pour être tranquille pépère. Il me faut une route commerciale, du coup, putain.
Alors, un agent secret a été recruté. Ah, bien. Oh. Mais cela ne me va pas du tout. Voyez, lui là, il va se faire poster ici. Il va se faire poster. Genre, comme tu disais, il va se faire poster le mec. Il va se faire poster. Moi, j'aime bien poster des mecs, moi. Ouais. Je poste des mecs. Vous voyez, ce vieux sac là, il est en train de me piller en fait. Ah, j'ai une valeur. Yeehi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Vous obtenez gratuitement un ouvrier. Ah, ça pourrait le faire, ça. Carrément. Vitesse de construction des aménagements. Ah oui, survivalisme, j'avais dit. Ouais. Ça peut le faire aussi. Aussi. Non, mais j'aime bien, là. Il y a du mouvement chez moi et tout ça. On sent que voilà, c'est lancé, là. Là, les gens, la série commence réellement. Je vais prendre ça. La prochaine valeur, je prendrai survivalisme, les gens. Voilà. Voilà. Concrètement, ça veut dire que je vais avoir deux ouvriers. Concrètement, ça veut dire que ça va être complètement overpété. Et concrètement, je vais enfin bouger... Ah, des extraterrestres. Ah bah ouais, hein, ça le fait des fois. Bon, et je vais enfin pouvoir me lancer dans la... Ah, nouvelle quête. Un scientifique travaillant dans notre vivarium a fait une grande découverte. Ces cultures de xénocytes réagissent bizarrement aux tissus organiques terriens. Et elle dit pouvoir les utiliser pour créer des organes hybrides extraterriens. Ses collègues considèrent qu'il est dangereux et malsain de se mêler de la biologie extraterrestre avant d'en comprendre parfaitement les conséquences. Ils menacent de mettre fin au projet. Ah, je l'ai eu tout à l'heure, celle-là. Poursuivre les recherches, arrêter le projet, poursuivre les recherches. Mais oui, on pourrait. Boum! On poursuit tous les deux les recherches. 67 de science! Oh, jusqu'à 45, putain. Je suis à la bourre, les gens, je suis à la bourre au niveau de la science. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est vrai que pour l'instant, je privilégie la population à la science et à tout le reste. C'est peut-être pas la bonne stratégie, en fait. Bon, les avant-postes, là, ça met 30 ans à se développer, cette connerie, là. Je vais mettre un convoi commercial. D'accord. Dôme. Voilà, vous avez vu, les gens? J'ai des technologies volées dans tous les sens, c'est trop bien, c'est trop bon, c'est trop bon. Oh, Cabrost, je vais pouvoir le faire. Sabotage. Et puis tous les aménagements dans 1-3 cases autour de la ville. Et moi, faut que j'arrive à avoir des ressources. Faut qu'on arrive à... Ouais, là, c'est les phases de développement. Qu'on arrive à se développer, se faire une force armée. Non, mais voilà, quoi. C'est les débuts. Faut qu'on arrive à défoncer du verre de siège. Ça, je vais essayer de pirater les satellites, les gens. Y a pas d'unité anti... Oh non, qu'un agent contre espionnage, donc c'est cool. Il faut que je fasse des unités militaires, là. J'ai 3 agents spéciaux. Parce que là, il faut qu'il y ait du mouvement, les amis. Ici, là, on en est où aussi? Ouais. Voyez, cette lui-là, elle est pas... Oh, à cœur, je suis descendu, grave. Je me demande pourquoi. Oh, je suis repassé troisième. Oh putain, mais comment ça se fait que t'en es aussi loin au score? J'arrête pas de voler les technologies Asia. Putain, regardez-moi ce mec. Ah ouais, ouais, ce mec. Cool, aucun mec. Honneur. Aucun respect. Aucun honneur. Bon, allez, passe le tour, petit enculé. Attends, garçon, je suis en train d'essayer d'accéder au satellite. J'essaie d'accéder à ce satellite là, mais il est gardé par des loups scarabées extraterrestres. Alors, il me faut de la science, les gars. Il me faut de la science, absolument. D'accord. Donc, on va partir sur des réseaux, tout ça. Là, il me faut gaver la science. Il me faut gaver la science, les gens. Il gave la science, quoi. Oh, j'ai terminé, du coup, la biologie. What? Par contre, ça aurait été un peu mieux que... Alors, attendez. Yanamu achève la construction de Panopticon. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Quel enfoiré, il a 386 au score, mais putain, c'est quoi ces merveilles? Elle est énorme, cette merveille, encore. Elle est là, les gens. Vous la voyez, elle est là.
Oh, c'est trop la violence. C'est trop la violence. Du coup, tu les vois m'émerveiller à côté de Deauville, hein, mon enfoiré? Non, je les vois pas. Oh. Je peux pas les voir. J'ai découvert un nid extraterrestre. Par contre, ça aurait été bien que les ouvriers ils construisent un peu plus vite, là. Parce que c'est carrément trop long, je trouve. Parce que tu dois... Oh putain, par contre. Alors ici, nous avons une mine. Ici, c'est encore une colline. Donc on va refaire une mine, déjà. Je le sens pas, là. Les deux extraterrestres, là, ils me font peur. Ouais, toi aussi. Ah oui, non, mais je te le dis, moi, ils me font peur. Ah, ma ville centrale est enfin née, les gens. Elle est née, ça y est, elle est là. Je suis à deux de malheur, les gars. Ah, bah moi, elle arrive bientôt, là. Hein, donc on va commencer par quoi, du coup? J'en ai aucune idée. Ah, je vais avoir une technologie. On va commencer par une clinique, les gens, parce que c'est ce qui prend le moins de tours à faire. Ah non, c'est la règle d'Atar ancestral, le moins de tours à faire. Je sais pas sur quelle clinique je vais partir, par moi. Sur chimie organique. Ah, c'est pas mal, ça. Et les gens, j'ai de l'or, donc nous allons acheter la barrière ultrasonique directe, parce que comme ça, elle est à moins de deux cases de la ville, je suis tranquille. Ah, et ça, c'est un bâtiment que j'achète direct, hein. Là, il n'y a pas photo. Hein. Voilà, ça a renvoyé E.T. à sa maison. Le mec, il n'y a pas de respect, moi je vous dis, il n'y a pas de respect. Yannu a achevé la... Oh, il est beau, le panneau, petit con. Il existe un vieil axiome de soldats. On ne peut tuer, ce que l'on ne peut voir. Le contraire est également valable. Le contraire est également valable. Le champ de vision de toutes les unités militaires augmente de 1. Oh. Trop bien ça. Oh. Alors, champ d'orientation des recherches. Du coup, vous me conseillez quoi, les conseillers, là? Parce que moi, j'ai besoin de conseiller quoi. Oh, chimie organique. Bio-usine. Niveau 4 en harmonie requis, mais te faire voir, quoi. C'est quoi qu'il me faut déjà pour le truc, là? C'est la biologie, hein. Attendez. Pour faire ça, là, il me fallait quoi, déjà? Hein? Faire ça, là, toi, là, au pied. Une mine de phyraxite. Il me faut trouver la mine de phyraxite dans les recherches, en fait. Je vais partir là-dessus, je pense, au prochain tour, les amis. La bionique, non. La biologie, la bossère, la nourriture, la mycène. Ça aussi, c'est pas mal. Hein. La phyraxite, je cherche la phyraxite, les gars. Vous voyez de la phyraxite quelque part? Hein, est-ce que vous voyez de la phyraxite? Je vais d'abord partir là-dessus, ça me paraît pas mal. Ajouter les miasmes. Oh, le truc pour pourrir les autres, quoi, c'est un truc de malade. Système autonome, tous les ouvriers reçoivent un point de mouvement supplémentaire. Bon, tu passes le tour, Jean-Guy, là? Tu m'excuses, je cherche comment aménager une truc, là, d'accord? Oh, ah ben putain. C'est bon, je l'ai, la mine de phyraxite. C'est bon, les gars, je l'ai. Du coup, on va partir sur vas-y. La bionique, parce que santé plus 20, vous avez vu ça, beaucoup, santé plus 20%, non mais attends, c'est un truc de malade, ça. Hop, bionique. Revenir à la carte, choisir des constructions, parce qu'on a plein de constructions à faire. Waouh. Plus d'énergie, Allez. Waouh, c'est trop bon, ça. C'est trop bon, ça, l'énergie, les gars, on va la maxer, quoi. Du coup, je vais quand faire le réseau pour la science. Jean-Pierre, oh, Jean-Guy, tu vas pas me saouler, hein. Bah, ah c'est ouais, quoi, non, les gens? Je bon. Refuse de passer le tour, voilà. Cette salope. Ah, putain. Waouh! La capsule d'électrogénèse. Waouh! Oh, comment je suis dernier au classement. T'es à l'ouest, mon gars. Ils finissent tous des merveilles, quoi. Moi, je suis là comme un con. T'es là comme un teubé. Est-ce que c'est vous qui changez les pas dans la danse de la vie? Ou est-ce la danse de la vie qui change vos pas? Oh, on peut faire un enclos ici, en fait. Bonne question. Et je vais partir sur ça, la terraformation. Tout va bien ici. Alors. Moi, je dis, dès que eux ils bougent, là, on va pouvoir enfin explorer cette case. Donc, lui, il a achevé un super état truc, apparemment. Alors. Et lui, il a achevé la sphère des drones. Oh fuck, j'ai construit un convoi commercial pour rien. Et tour suivant. Ah, ouais, je vais changer prospérité. Voilà, ça va prendre un tour, c'est pas grave. J'avais dit que je ferais quoi déjà? Que tu passais le tour. Oh, ça peut être pas mal ça.
Ça coûte bon, Jean-Michel, tu m'as fait chier de passer le tour, donc maintenant tu passes le tour à toi. Ah bah attends deux secondes, hein, chacun son tour. Donc les gars, j'ai 7 de titane, 2 de xénomas. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça va très certainement nous servir. Alors attends, je voulais faire quelque chose. On va également avoir de la phyraxide, du coup, ça c'est génial, ça. Ça c'est la fête. C'est la fête à Salaki sur le Robis. Con. Qu'est-ce qui est con? Ah ouais, bon, j'en ai allez. Gars, je suis con. Mais alors, qu'est-ce que ça fait plaisir d'être un gros con, je vous le dis, moi. Allez, adoptez le dynamisme, soyez des cons, les gars. Tous ensemble. Ouais. Bon, mais ça se développe, cette saloperie de truc, là. Ouais, c'est quoi, ça? La montagne de fous furieux, les gars, c'est pipé, quoi. Mais elle est énorme, cette montagne, je la veux. Je la veux, c'est tout, je la veux, quoi, point barre. Je la veux. Oh, elle est énorme, elle est excellente. On va faire un donc, mon ouvrier, il va pouvoir enfin faire une mine de phyraxite. Là, on a 3 phyraxites. Putain, ici, t'as la chance, toi. On va aller l'exploiter, les gars. Lui, là, il est en train de me faire de la résiline. Je sais pas du tout à quoi ça sert, mais ça doit servir à quelque chose. Moi, j'en ai, mais je sais pas où et ça tour se... suivant, les gars. Tour suivant. Où ça se comptabilise. Putain, c'est chiant de devoir virer les forêts à chaque truc, hein, sérieux, à chaque case. Ouais. C'est un peu casse-couille, hein, ah, bah, dire. C'est la carte qui est comme ça, hein, mon pauvre. Ouais, non, mais même, je sais pas, ils auraient pu faire que ce soit plus rapide. Parce que là, sans déconner... Ah, 2 ouvriers, c'est clairement pas suffisant. Oh, je vais pouvoir explorer, de fouiller, de solliciter la recherche de matériaux chasseur utilisables. Chasseur tactique. Frappe aérienne. Oh, c'est trop long. Alors, comment je fais pour réaffecter? On va la réaffecter ici. Donc, les gens, ça fait 6 épisodes qu'on attend de faire ça, hein, vous avez vu, hein. Là, il vient de ramasser un caillou du sol. Je sais pas ce qu'il va ramasser par la suite. Il a ramassé un caillou du sol, attention. Attention. Il a ramassé un autre caillou du sol. Moi, je dis, pendant trop tôt, il va faire ça, le mec. Il va ramasser des cailloux, tu sais. Bon, ensuite, il va clairement falloir se créer une armée parce que j'ai clairement l'impression d'être à la ramasse. Ah, t'inquiète pas, t'es pas le seul. Hein. Et ça, j'espère que ça va... Ah oui, on est en train de produire des réseaux dans tous les sens. Prospérité... Ouh, oui, prospérité, ça se serait bien. Oh, le mec, quoi. Il a réussi à faire tomber tout ce que j'avais créé. Bah, d'abord ça. À cœur. En un rien de temps, il l'a fait tomber. Oh, il est en train de me contaminer le moutchik. Il y en a un qui me contamine le moutchik, les gars. Ensa a été fondé. Ah bah... Ouah ! Putain, 4 de malheur. Oh, 4 de malheur. Ouh là, ça fait mal. Clinique, direct. Oh yeah! Oh, une clinique directe. Oh yeah! Oh, clinique directe. Oh yeah! Oh yeah! J'ai un nouvel espion, les gars! Oh putain, notre agent a réussi à voler la technologie de la terraformation, mais a aussi été tué. Oh, fais chier. Oh, ils peuvent se faire décimer, les agents, sérieux? Ah ouais, bah du coup, j'ai une autre technologie à choisir. Bah, on va partir. Ah, oh, ça peut être énorme, pas mal, ça. Donc les gars, on va essayer de recruter des unités militaires dans cette ville-là, chez les Russes. Ils ont l'air balèzes, donc voilà. Hein, vous m'avez compris. Satellite piraté. On a réussi à pirater les satellites, les gars. Un contre-espion se trouve dans cette ville, grade agent. Ouais, d'accord. Donc Akabros, je peux oublier complètement. Ah, voilà. Je vais devoir déplacer mon espion rapidement, donc j'essaie de faire cette mission-là. Et après, je me casse. On va partir sur Mécatronic, les amis. Et je crois que je me fais espionner la gueule. Clairement. Mais moi, je sais pas pourquoi je peux pas venir chez toi. Hein. Ah non, mais il y a tellement d'unités d'ennemis là que c'est mort. Hein. J'ai été à la mer. Franchement, j'ai été par la mer jusqu'à très près de chez toi. Mais après, ça fonctionne plus, quoi. Alors, frappe aérienne. Ah, je vais pouvoir démonter les... Mais comment les loups scarabées ils peuvent viser? C'est fini, mec! Succès déverrouillé! T'es fini, mec! Comment je peux perdre de la vie en attaquant des mecs, des unités terrestres? Oh, oh, par contre, je vais les défoncer! Oh merde! Ah non, je vais peut-être pas les défoncer. Il y a trop cru, le pauvre Learn. Oh merde, je les ai avancés comme un con. Ils vont peut-être pas m'attaquer, mais j'ai un peu peur. Grâce à ça, vous voyez, on n'attaque pas les cases occupées par les explorateurs, ça c'est trop bon ça. Putain, mais. Si est là, cette forêt de merde! Tour suivant. Tour suivant. Ah, oh, je suis tellement dans le malheur.
Moi, ça va, j'ai deux de malheur pour l'instant, mais j'ai trois villes maintenant, aussi. Ouah, 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 Cabrost, il m'envoie un missile, là. Il m'a envoyé un truc dans la gueule, là, Cabrost. Ah non, il fait des repousseurs de miasmes, en fait. T'inquiète pas, Yanamu, t'inquiète pas. Il est juste en train de faire des repousseurs de miasmes, ça va. Donc ah, ici, nous allons pouvoir faire une nouvelle construction, les gens. Nous allons faire une clinique. Santé plus 2. On a besoin de santé. Piou, piou, piou. Piou, piou. Voilà. Oh là là, des drones extraterrestres, des loups scarabées dans tous les sens, les gars. C'est la mort absolue ici. Du coup, ça va le faire péter un câble, l'autre. Oh. Un dragon des mers. Ça, c'est moins drôle. T'as vu, hein. C'est ça qui m'a défoncé la gueule, en fait. 85 de dégâts, il m'a mis. Ouais, ouais, non, non, expédition mais je crois, oh, putain, on est à 30 terminée. Minutes. Oh yeah. Votre expédition a démantelé les papes. Mais arrête, 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 toi, là. J'aimerais... Vétérance obtenue. Ah oui, c'est ça. Deauville a augmenté. Oh merde. Alors, votre expérience de l'épave d'un satellite excentré d'origine inconnue, elle y a découvert caché un résumé de ses observations en orbite que votre équipe s'est empressée de transmettre à vos scientifiques pour analyse. Ils ont ainsi pu commencer à étudier une technologie lointaine, la transgénèse. Oh yeah. Bon, allez, concrètement. Ah, je peux les améliorer. La transgénèse. Oh yeah. Défoncez-moi ça! Piou piou! Ah, j'ai une décision voilà, de cata à prendre. C'est la violence. N'a pas réussi à recruter le transfuge à Mandirat. Oh, il s'est fait décimer. Ah non, il s'est fait renvoyer. Il a pu s'échapper. Oh yeah! Il a pu s'échapper, les gars! Il s'est cassé, le mec! Pourquoi ça n'arrive qu'à Yanemu? Tu vas assigner à Deauville, toi, voilà. Assignation. Ah là, j'aime pas être dans le malheur. Bon allez, toi, passe le tour. On va faire ça, mon gars, parce que ça te réussit. Hein, on a besoin d'énergie. Décision de quête. Oh putain! Il y avait des survivants dans le vaisseau. Ils étaient humains autrefois, mais ils sont différents aujourd'hui. Nous les appelons les augmentés. Comme les nous, augmentés. Ils ont colonisé une nouvelle planète. Mais si notre monde favorise la vie, le leur était dur et violent. Ils ont essayé de s'adapter en incorporant leur technologie dans leur chair, mais cela n'a pas suffi à faire prospérer leur nouveau foyer. Les augmentés souhaitent vivre dans notre monde. Allons-nous les accueillir dans nos villes ou les laisserons-nous se débrouiller dans ce nouveau monde ? Mais oui ! Accueillons-les ! Accueillons-les ! Oh, les accueillir donc ça mène à la pureté, à la suprématie, et les laisser se débrouiller ça mène à l'harmonie. Les gens, je suis fun, je vais les accueillir. Voilà, je les ai accueillis. Il les a accueillis. Ça a monté ma Deauville. Une unité en attente d'ordre. Oh yeah, mon ouvrier a terminé son bordel. Il va aller ici maintenant. Mon explorateur a terminé son bordel. Il est en défaite totale dans tous les sens, les gars. Dans tous les sens. Y'a quoi là? C'est quoi ça? Des chitines. Ok. On va essayer de passer par là. Bon, on passe le tour et on arrête. Quête mise à jour. Fonder un avant-poste. Mais j'avais fondé 3 déjà. Oh putain. Il a tellement de trucs cet enfoiré là. Alors, j'ai réussi à dérober ça et puis s'échapper. Voilà, tour suivant. Et ouais, moi j'ai des agents spéciales de chez spécial, mon pote. Des agents spéciaux. Tu peux pas test. Ah ouais, ouais. Tu peux pas test. Comment les extraterrestres ils fuient. Ça n'a pas de sens. Le niveau de Deauville a augmenté. Oh merde, a diminué. Voilà, il est descendu à zéro. Oh, attends, ça veut dire que... Attends, tu crois que si j'attaque le crack... Ah, hein? Mais attends, comment une unité en l'air peut se faire déglinguer par un kraken? Explique-moi. Construire une plantation, les gars. Une plantation du bonheur. On va essayer d'aller rendre visite à Learn to Play, mais c'est vraiment pas gagné. Moi, je vous le dis. Waouh, waouh, la montagne ici, qu'est-ce qu'elle est belle. La montagne, ça vous gagne. Merci, Yanamu. J'avais que ça. Je suis désolé, j'avais que ça. Ah, ma joie était occupée. Donc, nous allons faire à nouveau un navire armé ce coup-ci. Hein. On va pouvoir faire un autre. Non, pas un navire. Je veux un chasseur tactile. Tactique. Hein. Tactile. Un chasseur tactile. Oui, donc, les amis. Un chasseur tactile, les gars, c'est un chasseur qui se manie du bout des doigts. Vous avez le gant comme ça avec tous les capteurs supersoniques. Et en fait, c'est comme un drone. Voilà, vous le manipulez à la main. Il vous obéit au doigt et à l'œil. La portée est de 500 000 km, s'il vous plaît. Oh, et avec ça, vous pouvez le faire crasher sur la nouvelle World Trade Center aux nouveaux USA. Il est con. Mon Dieu.
Il est con. Ah, je suis con. Ah, donc oh, les gens... Oh, putain. Oh, c'est quoi cette merde? Des drones extraterrestres. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est puissant, ça. Ça, c'est puissant, ça. Ça, c'est une saleté, ça. C'est puissant, en plus. Ça, on se retire. C'est une puissance, ça. Donc, cette unité couverte, vous voyez, donc il peut pas m'attaquer ici, voilà. Ah, j'avance mon explorateur petit à petit. 5 de malheur, ça craint. Ah. Ah ouais, d'accord. J'avais pas compris ça, en fait. Quoi? Ah. Je souffre. Bon, on va s'arrêter là, Yanamu, hein. Oh, on passe le tour encore, là. Je vais avoir mon chasseur des ténèbres. Bon, on passe ce tour-là et on dit au revoir. On en fait un autre après? Non. Allez, quoi, allez. Non, allez. Je peux pas. Oh, moins 10 miasmes. Aïe, aïe, aïe. Il y a du miasme ici, il y a du miasme partout. Ouh, il y a du miasme. Il y a du miasme. Oh, j'ai de la géothermie, tellement de géothermie, ça ne veut rien dire. Oh, j'ai mon chasseur tactique. Oh, j'ai mon chasseur tactique. Je peux leur donner de frapper, balayer. Waouh, sympa. Ah, je vais le mettre en interception aérienne, c'est quoi? Voilà, comme ça c'est fait, il est en interception le mec. Et du coup, je peux choisir. Merde, j'aurais peut-être pas dû l'attaquer. Je vais faire quoi? Je vais faire ça quoi? Ça va me faire de quoi, l'XP. Je vais faire quoi? Un Marines. Nécessite une source de pyraxite, on est en train de le faire. L'usine de biocarburant, on s'en fout un peu, les gars, on a assez d'énergie comme ça. Nous allons nous couler encore davantage, nous allons refaire un navire armé, hein, mon conseiller militaire me l'ordonne. Un rover de combat. Voilà, on a un chasseur tactique ici. Mission. Du coup, mes unités de... Putain, elles sont trop puissantes, mes unités de trucs. Oh, bon yeah. Oh yeah, c'est là. Trop puissant. C'est trop bien, surtout. Bah, les amis, on espère que vous avez apprécié cet épisode. Si, du là, bonheur. Ça commence à bouger de plus en plus. Et, et puis on vous dit plein, laissez il plein de j'aime, plein de commentaires. Il a des navires armés, au secours. Et puis Yanamu, je te laisse finir, petit enfoiré. Donc moi je dis tour suivant, non? Non. Allez, tour suivant, mais après on quitte. Voyez les gens, moi je fais ça pour vous les abonnés, hein. Voyez mais... comment je suis d'un naturel, ouais, mec, généreux. Je suis, voilà, mais je suis aussi, comme ça avec pour vous. Toi, après tu vas me chanter que t'arrives pas à l'upload et le machin. On est à la faute de l'upload. Non, oh yes, j'ai découvert un satellite. Je veux. Ouais, j'ai découvert des extraterrestres. Je veux pas. Donc voilà, allez. Les amis, c'était la dernière exploration de la... Boom. De la déchéance la plus profonde et totale. Donc merci à vous d'avoir suivi ces magnifiques épisodes en notre compagnie. J'espère que vous aimez profondément cette série parce que nous, on vous aime profondément. Voilà. Mais avec des préservatifs de préférence. Oh. Et non pas du cellophane, comme j'ai pu voir récemment sur, sur une application méconnue du téléphone portable. Hein, voilà, je tiens à le dire. Bon, allez, sur ce, les amis, ciao, ciao. Ciao. Oh yeah.